On s'est rencontrés dans un rétroviseur. Je ne sais pas exactement comment je suis redevenu homosexuel. D'ailleurs, je dois te dire que j'ai une femme et 5 enfants. Oh mon Dieu! Alors donc, ma vie amoureuse, elle a été, si tu veux, ballottée entre hommes et femmes, mais elle a été tout à fait heureuse puisque je me suis toujours adaptée à la fonction qu'il pouvait y avoir. Je pouvais faire la femme et l'homme. Il faisait si beau, le soleil était si chaud, et nous si nus. Ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure. Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer. C'est contre nature ce qu'ils font quand même, hein. Moi, je trouve ça dégoûtant. Alors, les mal baisés, oui, oui, on est mal baisés, oui, oui. T'as trouvé. J'ai eu une période où je m'habillais comme une folle, mais le souvenir que j'en ai, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libérée. Et puis parce qu'on était quand même des marginaux, c'est-à-dire que la marginalité nous rendait libres. Un monsieur aimait un jeune homme, surtout ne nous affolons pas. Aujourd'hui, on en rigole et on en aurait pleuré il y a... On parlait ça, de ça comme une maladie. Je sais pas, ça te mettait un doute quand même, t'étais classé dans les maladies psychiatriques, quoi. Le chasseur, la biche... Quand ils ont des cheveux gris, des cheveux blancs, je flash, comme on dit maintenant. Un monsieur aimait un jeune homme. À chaque fois, des fois dans le métro, je vois des vieux ou des vieilles qui me plairaient bien.